Hajj, il y a beaucoup de baraka. Et tous les pèlerins partent pour chercher cette baraka. Dans chaque coin de la Kaaba, dans chaque ruelle, dans chaque endroit, dans chaque acte du Hajj, il y a de la baraka. Et oui, la baraka, en fait, vous savez, c'est un mot utilisé par tous les peuples. D'ailleurs, on le trouve dans toutes les langues. C'est très, très impressionnant. La baraka, c'est ce que nous cherchons, nous, en fait, cette assistance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sécurité, la guidance. Ce que Rabbi, en fait, il nous a le baraka dans tout ce qu'on fait, fructifié, utile. Cheikh Abdallah, en fait, avec lui, nous allons parler des barakas de certains éléments du Hajj. Et effectivement, il y a de la baraka partout. Eh oui, dans chaque pas, dans chaque élément du Hajj, il y a beaucoup de baraka. N'est-ce pas, Cheikh Abdallah? Tout à fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cela. Parce que la baraka ne vient pas d'un objet. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Si quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cet objet-là est une baraka, qu'on doit le considérer comme tel. Ça ne vient pas de nous, on ne donne pas la baraka à quelque chose. C'est Allah qui donne. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Celui qui donne de l'importance aux rites, aux objets qu'Allah a honorés, comme la Kaaba, comme la pierre noire, comme le mushaf, c'est des choses auxquelles Allah a donné un honneur particulier. Et celui qui donne de la considération à ces choses-là, qui prennent ces choses-là, qui prend ces choses-là comme des objets de baraka, Allah lui donnera la baraka certainement. Très bien. Donc là, on va aller petit à petit, on va aller dans chaque étape. Franchement, moi, je crois que dans chaque élément du Hajj, il y a de la baraka. Exactement. Ça, en fait, c'est une question de croyance. Hein. Tout à fait. On croit ou pas. Est-ce que le fait de se mettre en ihram, l'état de ihram lui-même, en fait, je ne parle pas du tissu, mais je parle en état de ihram, et la talbiya, est-ce que nous pouvons espérer qu'il y a de la baraka? Bien sûr. Voilà. La baraka, elle est dans des choses auxquelles Allah a donné de l'importance. Et ce tissu que tu mets, c'est pour te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet état dans lequel tu es, c'est pour te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certainement dans toutes ces conditions-là, quand tu es en état de ihram, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala yubarik laka. Yubarik laka. C'est ça, en fait. C'est dans ce sens. Hein. C'est qu'il t'accorde la baraka. Exactement. Parce que tu as exécuté, parce que tu étais soumis, parce que tu as obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, déjà l'obéissance, en soi, il y a la baraka, certainement. Le croyant a toujours de la baraka quand il obéit à ce qu'Allah lui demande de faire. C'est ça. Et quand tu fais un acte qu'Allah aime, c'est pour ça qu'Allah aime te voir là où il t'a demandé d'être. Et Allah déteste de te voir, il ne faut jamais être dans des endroits qu'Allah t'a demandé de ne pas être. Et quand tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais un acte qu'Allah aime, tu es sous sa protection et Allah te donne de son soutien. C'est la baraka, c'est aussi le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut ton soutien et sa miséricorde et sa sécurité, pardon, sa guidance. Sa guidance, exactement. Tout ça, Allah te les donne parce que tu as exécuté ce qu'il veut de toi. Très bien. Donc, j'imagine que le musulman, il est face à une grande baraka qui est la Kaaba. Exactement. En soi, la Kaaba, non? Exactement. Elle n'est pas la baraka. C'est la baraka par excellence. Puissance 2. Peut-être puissance 10. Exactement, tout à fait. La Kaaba, c'est un lieu qu'Allah a voulu qu'on construise. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné à Ibrahim. Juste le fait de savoir que celui qui a construit ce lieu-là, c'est des prophètes, nobles prophètes. D'accord? C'est eux qui ont pris ces pierres, qui les ont installées. Déjà, c'est un honneur. Toucher à la Kaaba, c'est une grande baraka. On viendra juste après pour toucher. Là, je parle de l'objet Kaaba. La Kaaba en soi, je crois que regarder la Kaaba, exactement. Premier geste en fait, voilà, la visionner, ça apporte de la baraka. Ça apporte de la baraka et ça apporte une sensation pour le croyant indescriptible. Vraiment, quand tu vois la Kaaba pour la première fois, même si tu fais le voyage deux ou trois fois et tu rentres à la mosquée et tu as la Kaaba devant toi, c'est une sensation
plénitude devant cette merveille, ce lieu qu'Allah a voulu pour toute l'humanité. Et ce lieu-là que le prophète a touché, que le prophète Ibrahim a touché, Ismaïl, et tous les salihines de cette communauté l'ont touché. Ouais. Et donc c'est pour ça que quand on voit la Kaaba, on dit « Allahumma zid baytaka tashrifan wa ta'ziman wa barakatan wa amna ». Il y a une dua. Baraka. Et on dit baraka, la baraka. Exactement. Donc le terme « baraka », ça existe. Ça existe, exactement. Donc, Cheikh Abdallah, pardon. Juste parce que c'est important, en fait, c'est juste pour revenir à une chose importante, c'est le sens de la baraka. Donc on est dans l'assistance, dans la guidance. Exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en réalité. En fait, ça s'explique par... par des phrases. Voilà. Par juste, plusieurs phrases. Mais c'est une sensation de paix, exactement, sensation de sécurité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça. Mais rassurons nos chers pèlerins que, oui, on peut avoir un peu de baraka en regardant la Kaaba à travers les télés, à travers, etc. Mais lorsqu'on est sur place... C'est autre chose. Donc là, c'est la Kaaba déjà, elle nous apporte de la baraka. Exactement. Parce que c'est important, parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent en réalité. Maintenant, est-ce que toucher la Kaaba, il y a de la baraka? Il y a de la baraka, bien sûr. Il y a de la baraka en touchant le Hajar al-Aswad. Le Hajar al-Aswad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a touché. Le Hajar al-Aswad représente le pacte qu'on a donné à Allah subhanahu wa ta'ala avant même notre naissance. Quand on le touche, c'est comme si on a donné une autre fois un pacte, un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajar al-Aswad, yaminullahi fil ard, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui oui, bien pas sûr, forcément c'est pas, authentique, oui. Mais il nous donne un peu le sens de toucher le Hajar al-Aswad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé. Ouais, donc embrasser cette pierre, la toucher, c'est une... Dans l'espoir d'avoir une baraka de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné en fait, de construire et d'avoir cette pierre noire à cet endroit-là. Qui date de Hussein. Avant Ibrahim alayhi salam, exactement. Donc vous vous rendez compte, en fait. En fait, les personnes qui cherchent qui cherchent la baraka, parce qu'il faut chercher la baraka. Exactement. Ah, il faut la chercher. Oui. Il faut faire un effort. Oui. On est d'accord, hein, il faut faire un effort pour aller la chercher. Donc si vous voulez vraiment la baraka réelle, pas la baraka à travers les saints, ou l'aulia salihin, je ne sais pas quoi, ou les tombes, etc. Non, ça, ce n'est pas de la baraka. Là, je peux vous rassurer, c'est une malédiction. Alors là, rassurez-vous. Par contre, la vraie baraka, c'est la Kaaba. Et en plus de ça, Cheikh Abdallah vient de rajouter un élément très important, c'est la pierre noire. Donc, si vous voulez chercher, en fait, la baraka de la pierre noire, approcher. Mais si jamais on ne peut pas approcher... Bien sûr, moi c'est le conseil que je donne, qu'aujourd'hui, avec le monde qu'il y a, il suffit d'avoir cette intention sincère et de saluer la pierre noire de loin. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, pour aller toucher la pierre noire, il faut pousser, il faut énormément d'efforts pour passer des heures et des heures. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est recommandé. Aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous sommes, la saluer de loin et avec une bonne intention est quelque chose de plus recommandé, plus que d'aller la toucher, parce qu'on risque d'avoir de faire plus de mal. Donc, ne pas espérer la baraka. Si jamais je fais du mal à l'autre, je vais aller chercher la baraka et en cours de route, je vais piétiner quelqu'un, bousculer quelqu'un, lui donner des coups ou l'insulter ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est pas la peine. Là, on ne peut pas parler de baraka, on parle d'autre chose. Et parfois, on risque sa vie, parfois on risque énormément. C'est ça, en fait, il y a des risques sérieux. Il y a énormément des risques sérieux. Donc, on parle de l'objet lui-même, il y a une énorme baraka. Mais aller le toucher... Là, les conditions. Si on est dans une umra, on dort du hajj, peut-être le soir, tard le soir, peut-être il y a des occasions. Et c'est pour ça qu'on parle de l'objet lui-même. Il y a une énorme baraka. Et Allah peut exaucer une invocation qui va changer complètement ta vie en étant devant ce lieu-là. Et il faut dire que toute la Mecque est une baraka. C'est ça. Tout ce lieu. Exactement. Le lieu, il est... Là où le prophète alayhi salatu wassalam était au Tini wa Zaytoun, au Tour de Sinin, wa hadha al-baladi al-amin. Toute cette cité, c'est une cité
De baraka. De baraka, tout où à fait. On peut trouver la baraka si on la cherche. Exactement. À condition de la chercher, de la mériter en fait, en réalité. D'accord, ok. Donc là, nous voyons des gens, nous observons, nous remarquons qu'il y a des gens qui s'accrochent en oui. fait au mur et surtout, que soit le Kaaba. Hein, tout à fait. D'accord, on se donne sa poitrine. Et là, est-ce que aussi on peut dire que c'est une forme de chercher la baraka? Tout à fait, c'est une forme de chercher la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, il a spécifié un lieu entre la porte et le hijr. Mais en réalité, les savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié ce lieu-là parce que c'était accessible. Mais maintenant, toute la Kaaba, c'est un lieu de baraka et on peut embrasser la Kaaba, on peut mettre sa poitrine sur la Kaaba. Et c'est des moments, je peux vous garantir que quand on fait des invocations à ce lieu, à cet endroit-là, parce qu'il y a de la baraka en fait. Il y a de la baraka, il y a une sensation qu'on ne trouvera jamais ailleurs. C'est ça. Et il y a le hijr, il y a le rukn al-yamani aussi, qu'on a aussi la possibilité de toucher. Là, c'est facile. Et on doit toucher le rukn al-yamani quand on fait les tours, et c'est une bonne chose de le toucher. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il y a des hadiths concernant ça. Il y a une chose en fait, une matière que tout le monde considère, il y a unanimité, que tout le monde considère comme la baraka de la baraka. En fait, c'est une baraka très spéciale, spécifique, c'est ma zamzam. Exactement. Alors, qu'en est-il de l'eau de zamzam? Rappelons, Cheikh Abdallah, pardon, que... ça coule depuis 5000 ou 6000 années ou plus. En plus, en fait, c'est, là, on parle des siècles, des siècles, des siècles. En fait, l'histoire de Hajar, alayhi salam, voilà, lorsqu'elle a voulu en fait protéger son fils, elle est revenue à chercher de l'eau. Et surtout, la région était aride, hein, il n'y avait rien du tout. Voilà. Et là, ça a fait jaillir cette source. Une eau qui s'appelle Zamzam. Donc, où est la baraka dans Zamzam? Zamzam, son origine, c'est une baraka. Allah l'a donnée à une femme qui cherche son soutien. Donc, son origine, c'est une baraka. Allah a décidé que cette source soit là. Donc, déjà, sa source, son origine, c'est une baraka. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne, il dit, « Ma'u zamzama lima shuriba lah. » Donc, l'eau de Zamzam, elle donne, en quelque sorte, possibilité de demander à Allah quelque chose et cette chose sera exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de boire ma zamzam, tu fais une invocation, tu demandes à Allah une intention et tu bois cette eau-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith, une invocation très importante. Il nous montre quelles sont les choses les plus importantes à demander à Allah. Il dit « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a » une science utile « wa rizqan wasi'a » une subsistance vaste, aisée, ou shifa'an min kulli da', et que cette eau-là soit une guérison de toute maladie. Et donc, ma'u zamzam, il faut le boire dans cette intention. Et il faut le boire beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fal yatadalla. Yatadalla, c'est-à-dire qu'il boit, et quand il a plus, en fait, ça touche tous les veines. Exactement. En fait, en réalité, il en boit. Et par expérience, les gens disent que cette eau-là, c'est de la baraka. Elle rassasie. Et en plus, c'est vraiment une eau très, très bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, on retrouve, en fait, les mêmes croyances dans beaucoup de pays, hein, chez beaucoup de peuples, qu'ils s'accrochent, en fait, à une eau ou à un objet. Mais là, en fait, c'est une eau qui a été honorée, qui a été baraka, en fait, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à l'infini, parce que jusqu'à présent, est inépuisable. C'est impressionnant. En fait, nous sommes témoins de beaucoup de personnes qui souffraient de beaucoup de maladies, comme le cancer, en fait. Juste une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, en fait, lorsqu'il y a la bonne intention avec la baraka de Zamzam, tout peut être réglé. Oui, nous avons la certitude, mais je crois, Cheikh Abdallah, pour finir, c'est une question d'intention.
Exactement. De foi. C'est une question. On croit ou on croit pas là. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. On... C'est pas. Oui, c'est pas de la charabia. Il faut croire. Il faut croire parce qu'en tant que croyant, en tant que musulman, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit quelque chose, quand il nous parle de quelque chose, bah, ça vient de Allah, le vrai subhanahu wa ta'ala. Et notre religion, c'est une religion de vérité. Barakallah. Barakallah fik, Sheikh Abdallah. Merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces conseils précieux et tous ces éléments qui vont, Inch'Allah ta'ala, pour nos futurs pèlerins, oui, effectivement, chercher la baraka dans chaque coin, dans chaque élément, dans chaque geste, dans chaque pilier, dans chaque acte du hajj, il n'y a que de la baraka. Si vous voulez chercher la baraka, bah écoutez, allez-y avec une bonne intention à condition. Rabbi taqabbal minna wa minkum ajma'in. حج مبرور للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته